Salut tout le monde, c'est TheFeed et on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Cette fois, comment faire une ferme à blé semi-automatique. Quand je dis semi-automatique, c'est qu'il faut parfois faire des petites manques. Mais en fait, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que tout ce qui sera là, tout le blé, sera récolté. Sur 9 de l'eau, ou sinon, parce qu'en fait c'est avec de l'eau, en fait. Sinon ça va trop loin. Je pourrais faire une ellipse, hein, mais ça dure un peu trop longtemps. Sinon, vous savez quoi? Quand on y pense, sachant qu'un petite discussion philosophique, sachant qu'un pain, la confiture retombe toujours du côté de la confiture et qu'un chat retombe le plus souvent toujours sur ses pattes. Si on attache un pain à la confiture sur le dos d'un chat, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui gagne? Attendez, une pause, je vais essayer. C'est le pot de confiture qui gagne. Enfin, le pain, la confiture, je veux dire. Bon. Quoi? Oh. Tant que j'aurais tué ratissé, ça... Je vais faire ça en off. Quoi? Et maintenant, on va pas attendre que ça pousse, donc... On va faire avec de la poudre d'os. Voilà, voilà. Je sais pas depuis quelle mise à jour, il faut attendre plusieurs fois, mettre plusieurs fois dessus pour que ça pousse. Excusez-moi, j'ai des lags. Hein. D'abord, il faut passer une fois sur chaque. Mettre le jour. Ça aussi, on peut mettre dans un commande bloc. On met une petite musique de Mario. Enfin fini. Et maintenant, je vais vous expliquer la redstone. Alors, hop. Vous allez commencer par mettre tout autour là. Endroit où j'ai fait ça en off. Mais avant, l'eau va couler par là. Mais pour que ça ne coule pas, vous allez creuser un peu plus pour vous parce que l'eau, en fait, elle cherche la profondeur. Et voilà. Et si vous enlevez le bloc, ça coule vers là-bas. Bon. Là, je sais que quand on va mettre la redstone, ça va couler un peu. Normalement. Voilà. Hop. Je ne sais pas si c'est utile de mettre des répéteurs. Pourquoi je n'arrive pas à voler? Voilà, c'est une minute. Et maintenant... Hein?
Attendez. Voilà, il fallait mettre des règles. Bon, et maintenant? Pourquoi ça marche pas? Ah oui, je crois que c'est... Ah voilà, il fallait enlever ce bloc et maintenant, si on met ça... Et voilà, ça enlève tout. Pour le reste, hein, si vous voulez rester, vous pouvez également sauter sur le pont. Sinon, tout simplement. Je vois que ce truc ne se reset pas automatiquement. Il suffit de mettre tout ici. Et voilà. C'est pas sorcier. Et voilà, vous recommencez votre piège autant de fois que vous voulez. Voilà, ce tuto se termine et on va. Et moi, je vais faire comme la fin de l'étude, souvent, me faire un petit Minecraft. Tandis qu'on va se dire salut, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour regarder toutes mes autres vidéos, dont les tutos, mais aussi plein d'autres vidéos, comme des Hunger Games, par exemple, en compagnie de Kitchen74 ou de Galendre. D'ailleurs, je compte faire... Je compte faire...